Jure, dis que c'est Metz ce soir. Ouais, je le sens bien. C'est Metz, ça va me faire brûler. Alors, Brimstone, ah, ils auraient fait la même compte que la dernière fois. Avec Brimstone, Néon, Sova. Sova, toi, t'aimes bien sur Lotus, on l'a aussi. Et on a Nivera sur Sova. Ouais. Et ça, ça me rend heureux. Ça me rend tellement heureux. Bah, ça, c'est ce qu'on avait vu justement la dernière fois. Nivera Time. Les gars, c'est tous les jours le Nivera Time. Nivera, en vrai, c'est le joueur le plus constant de la team, en vrai. Constant ? Constant, ouais. Ouais. Je trouve. En fait, j'aurais dit Shin, mais Shin là-bas, là, il est pas trop. Il est un peu moins constant, tu vois. Donc, après, Shin, Miskin, il joue un rôle, un perso différent par map. Non, non, mais genre, donc, c'est vraiment difficile de jouer. Je t'aurais probablement dit Shin. Ok. Sinon, on y verra. Là, en tout cas, dans le LCQ, on y verra. C'est ouais, constant, ouais. Le plus impressionnant, je dirais. C'est ouais. Scream quand il est en forme. Vraiment, il est inarrêtable. Il fait des rounds de 3 kills ouais, par Scream, 3 kills c'est surtout le début d'année où il a un peu galéré, tu vois. Ouais. Et après, il est devenu Massive Scream. C'est Super Saiyan des rebeux. Ouais, c'est le LCQ. On est là. On prend ce truc de côté, là. Côté de l'Alpas. Toi, t'as pas le pas, son frère Belek à toi. Scream full confiance et Galifrian, exactement. Non, mais là, on le sent. On le sent beaucoup plus, je sais pas, détaché. Bon, après, la map d'hier, c'est dommage. Ah, d'hier, on s'est tué sur Perle. Hein. Le split, c'était voué à la défaite, mais Perle, on devait gagner. Donc là, on joue contre leur compo troll. Après, bon, ça reste Navi, hein, donc... Ça reste Navi et on peut se faire surprendre... Carrément, je sais même pas quoi redire de leur ancien match tellement qu'ils puent la merde. Parce que j'avais autre principe, bon, là, après, moi, je me souviens du dernier match contre Navi dans la saison régulière, là où c'était du full sérieux et tout. Ouais. Et on avait joué Lotus, justement, ça s'était joué à rien. C'était un match très serré. Justement, je crois que c'était Zesh. J'ai parlé avec Angel après le match et tout. Ouais. Et je crois Angel, il avait dit en mode. C'était son meilleur side défense qu'ils avaient pu faire. Ouais, ouais, c'est ça qu'il avait dit, Zesh. En gros, Angel, il avait dit à Zesh. En POV Navi, genre c'est le meilleur side de toute sa vie, c'est la meilleure Lotus qu'il a fait de sa vie en side défense. Ils n'avaient jamais aussi bien joué de leur vie. Ouais. Comme par hasard contre nous. Comme par hasard. On avait battu Navi en saison, non, mais c'était l'entrée de Zeish, il me semble. C'était son premier match. Non, c'était pas Cole le premier match. C'était pas Navi. Ah, il y avait. Après, c'était Cole le premier match. Hein. Il y a peut-être, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. En tout cas, nous on était là-bas. Non, en vrai. J'ai... Non, c'est Navi. Ouais, voilà, c'était Navi, premier match. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, donc force à toi. De toute façon, la map commence, c'est parfait. Bon, là, allez, on y va, Lotus. Non, on va chercher la langue C. Et Sined, il joue solo. Ouais. La Néon solo en C. Est-ce qu'on va farm les orbes? On a vu le bridge, ils ont déposé le bridge au niveau de ce rebelle en A et du coup ils vont pas pouvoir se rendre sur que. On a combien au niveau du son? Je crois qu'on est un peu fort, ouais. Ah. J'aime bien mettre 11%. Setup camera stun en A. Attention à pas tomber dedans si on revient en A. On peut être très criminel. Est-ce qu'on a un drone? Non, on a pas. Si, on a un drone libéral. Si, il a un drone. Il a un drone. Un gauche, pas un drone. À droite. En défense, oula, attention, Zipan. Oh, ça, Zipan est déjà placé. Sugitsu qui est juste là. Allô, ça calme. Il va voir Zesh. On va prendre la tourelle. Après, attention, le stun. Ouah, ça fait moins 2. Ça, c'est du setup, ça. Ça, c'est du setup. Ils ont mis un sale setup. Pendant ce temps-là, on va pousser en C, du coup. Ça peut être une solution. Hein. Le round n'est pas fini. Non, mais on va falloir faire des kills. Ouais. Après, s'ils défendent de BP, ils se prennent des têtes, là. Par exemple, Adil, s'il le délaie de sa ouais. Mère, là. Faut tuer Syned. Il est stun, le frère. Mais Adil aussi, il est stun. La nade, ah, il va pouvoir s'échapper. C'est Néon, hein. La particularité. Ouais, il a mis des low HP. Ils sont très très low HP. Shin ouais, le doublé. Adil, je vous ai dit, les gars, le round il est pas perdu. Le round il est pas perdu malgré le moins 2. Et moi je t'ai dit Shin Day, frère. 3v2, oui. Du coup le round qui se retourne. Arrête, attends, c'est le premier round de sang. Shin déjà en CT, ligne cassée, le frère. Aïe aïe, il va tomber. Voilà, c'est revenge, c'est revenge. 2v1, Suigetsu qui arrive aussi au niveau. Non, du Selig, pardon. Ouais. Waterfall. Doute qu'il est là. Je crois que ça va double DK là. Ouais, ça double ouais. DK. Let's go! Adil 3K, ça commence bien. Ça, Adil, hein. Allez, ça commence bien. Je vous ai dit en fait. Parce que si on rotait en C, le temps qu'ils mettent à venir, ouais. À se déployer pour venir aider leur teammate, si en face ils se battent, ils décident de se battre, ils vont mourir. Oh. Mais là, tu vois, ils sont 5v3, je sais pas pourquoi ça conteste le BPC. Ouais, c'est juste le clash. Juritech, t'as gagné. Et en plus, il a eu plusieurs opportunités de se casser, Sined. Hein. Ouais. Le frérot, il a voulu stab, son pote, il est venu en backup et ils sont fait arracher. Ils ont mis des stuns, ils ont pris des stuns et voilà. Double fantôme, une pour Shin, une pour. Ah, ça c'est le bonus que t'aimes bien, ça. Même moi, ça c'est. Bah, tu vois, là c'est que j'aime bien, mais j'aime pas dans ce setup là. J'aime bien quand t'es un peu dans la merde que tu dois rattraper des rounds.
Après, ça peut aussi marcher en snowball. Vraiment, tu fais snowball justement. Ouais, ça peut marcher en snowball. C'est le snowball de baiser, comme on l'avait dit. Ouais, donc. Mais ça, c'est vrai que j'aime bien. Oula, attention, Zeich qui va tomber, 25 HP sur Chao. XMS qui va revenge. Attention, Adil, il s'est pris une patate là-dessus. Sined, il a 30 HP. Ils pourront pas récupérer la fantôme, ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Et nous non plus, on pourra pas la récupérer. C'est du 3v3 pour l'instant, mais ils ont deux low HP, deux très low HP. Zipan et Sined. Par contre, c'est vraiment des one-tappers les deux là. Surtout Zipan. Zipan. On l'a vu juste avant de toute façon. Non, mais il est trop dangereux ce bâtard. Ouais, moi je l'ai vu de. Je sais plus c'était quel match que j'ai vu de lui, il était trop fort. On va prendre l'an pour pas se spot, bien évidemment. Il a le viseur Anokan, le bâtard. Il va être trop fort là, regarde. Stun, cette fantôme elle est loin. XMS qui va TP. Une reveal. Et on va check le. Non, on va pas check. Et ouais, Zipan, il voit une tête, il clique. Le stun, oh là là, ça va être dur pour nous là. Ça va être dur pour nous, ça va être dur, on y verra. Nabil. Choc d'art, c'est bien ça. Des bons dégâts, non, il va tomber. Chine, Riyad qui va tomber. On va se faire écho, non. Il va récupérer une fantôme, ça c'est très mauvais ça. On a pris des patates ce round. On a pris des grosses patates. Ouais, là c'est atroce ça. En fait, vu qu'on est en petit shield, même de loin on se fait one tap par le jiggle. En petit shield, ouais. Ah, c'est compliqué. En petit shield, tu te fais one tap par le jiggle, même de loin. 145 HP, max range. On va revoir ce qui s'est passé. Je me souviens même plus du début du round. Là, on a eu un trade. Entre trucs, un HP. On a HP, mais après il est revenge. Hein. Là, c'est Adil qui prend sa tête. Et là, quand on rentre sur le BPA, Zipan. Le kill classique, en fait, le kill de Sugetsu, alors qu'il est condamné. Ouais. Putain, c'est dommage. Ouais. C'est pas. On va prendre deux vandales. Et comment? Parce que. C'est vrai qu'en général, quand tu mets le gun route, tu perds l'écho. Économiquement, ça devient bizarre. Okay. Là, ça suit, mais on pourra arracher le prochain round sauf Alex. Ouais, ok. Je pense on a un ulti bridge. En vrai, ça se fait. En vrai, ça peut les punir parce que là, il joue très très agressif. Attention, XMS, il est vu. Il va flash, mais il est reveal. Ils ont un petit poke. Ah, putain, on perd. Il a pris la vandale du coup, finalement. Ouais, il a pas d'argent, il a pris la vandale. Et là, ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Est-ce qu'on pourra la récupérer dans un deuxième temps? Je sais pas. Un sprint de Brimstone là, qui dure 20 secondes. Frère. Ouais, c'est vrai que le Mayna il est dur, hein. C'est une grosse bataille là-bas à chaque fois. Mais avec Néon, avec la reveal de Sova. Si on faisait, je pourrais pas s'infiltrer pour aller chercher cette vandale justement. Ouais. Il la défend cette vandale, hein, frère. Il va pas la lâcher. Ah bah il s'avance. Mais il s'avance. On est sous-armé. Une vandale. Ils ont un petit bridge également. On s'est fait travers un peu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de smoke et ça, c'est bourbier. Là, ouais. À moins qu'on ait des patates sur les long range, en fait, c'est double tranchant. Ce round, il fait peur, ce round. Allez, nade. La nade, elle est excellente. Hein. Ouais, c'est nade qui est obligé d'avancer, mais il y a une molly. On attend dans cette smoke. Attention, le stun. Sined il est touché, mais il joue Néon donc il court quand même. Est-ce qu'on peut l'avoir à travers? Non, c'est Néon. Il y a une pause criminelle. Oh là là, Adil! Avant duel justement. Gros duel. On peut peut-être repartir en B contre Zipan. Contre Zipan, il va tomber. Allez. Ok, c'est bon. Shield qui va prendre le kill. On va récupérer les armes. Sugetsu sur le. Ok, Nivera. 1v2. 1v2, 5 HP. Bah, en vrai, déjà, c'est pas mal déjà. Il va même pas tenter. Il pourra pas. Ok. Il va récupérer une arme tranquille. Il ne sera pas puni. Du coup, on pourra full buy prochain round. Ça, c'est personne ne pourra voir pas Alex, par contre. Hein. Je crois pas. Ah, bah, il peut lui jeter la fantôme. Ah, mais il achète quoi? Ah, lui qui l'a passé. Ah, oui, qu'il est mort, qu'il est pas mort. Ouais. Ouais. En fait, du coup, je suis con. Mais bon, on a deux ultis intéressants là. 2-1. Bonne écho. Ouais, c'est une bonne écho, mais bon. On s'est un peu tiré une balle dans le pied avec cette. En fait, ce qui fait chier. C'est que c'est Alex qu'on a envoyé au charbon dans ce Mayna et c'est lui qui avait la vandale. En fait, t'envoies ton smoker TP si t'es garanti de pouvoir le prendre. En vrai, ils ont une vraie compo aussi, c'est pas forcément évident. C'est ça. Donc si tu perds la bataille de prise Mayna. En plus, que ce soit le smoker, c'est lui qui avait la vandale donc ce round là, il sera obligé de jouer au jiggle. Alors, on connaît XMS au jiggle, hein, Il aligne, attention, ça va partir, ulti bridge qui part. Oh, c'est bizarre. Sined, il arrive de loin dans le dos. Zeich, il est tombé, mais pendant ce temps-là, on se fait brûler XMS qui va pas pouvoir turn. Et là, Yashin, ouais, il va tomber. On n'a pas vu ce qui s'est passé de tout le round. Parce que le Lobs, il était sur la coupe, mais on s'est fait. Ulti bridge, et du coup, ça a juste sandwich, ça a renfermé sur nous. Non, mais Sined, il a même pas pu participer en fait. Ouais. On est mort avant ça, on a rien vu.
On a rien vu. On a même pas le replay. Non, on a même pas le replay. Ok, on a encore notre ulti bridge, notre ulti raise. Là c'est une écho, mais c'est une écho métable en vrai. Après, est-ce que t'as envie de claquer les ultis sur une écho? C'est toujours ça la question. D'un côté c'est greedy, mais ça peut vraiment te relancer dans la game. D'un autre côté, tu préfères attendre d'avoir, d'avoir des armes. 5v5 pur, tu vas pas l'envoyer l'ulti, mais dès que t'as un avantage et tu sais que ça peut t'as plus de chance de mettre. Nivera, stun, reveal. Là, par on va décaler, là c'est bien, Nivera, allez, le travers, allez, le point, oh. Allez, ah c'est pas grave, c'est pas grave, 2 pour 1. Et là, on va récupérer l'arme. Ouais, on va juste récupérer les armes, c'est bien. Et là, du coup, c'est un round armé, hein. C'est un round armé avec 4v3, on a l'ulti de baiser. Voilà, bon, on va envoyer l'ulti à Jill. Ouais, on a juste peur des traps et tout, des caméras, de se faire wallbang bizarre là. Voilà. On l'a pas caméra, vu, on l'a encore. On l'a pas encore vu, frère. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Après, on peut quand même gagner ces duels hein, parce qu'on a l'information sur eux. C'est MSK. T'as Jill, pas de criade. Et là, on voit la caméra, frère. Non, elle est toujours là, la caméra, frère. Il ouais, je voulais baiser sa mère. Voilà, ça merci, parce merci. On l'a voyé sur la minimap. Et là, c'est un 4v2, pardon. 4v2. Après, même s'ils voient, ils savent où on est, on sait où ils sont, donc c'est des ouais, duels. Ouais, c'est ça. C'est, enfin, on a l'info d'un joueur, mais on n'est pas sûr de la deuxième. On attend le stun pour. Le stun, ça voilà, touche les deux joueurs, c'est magnifique. Est-ce qu'on va se repositionner? On va planter. C'est vrai qu'on n'avait pas planté, en fait. Je trouve trop ouf, moi. Tu sais qu'on avait planté tout à l'heure. Attention, Adil, Adil, il a mis beaucoup de dégâts. 18 HP. Interdit. Allez, allez, XMS, magnifique, 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 magnifique. Il reste plus que Sugetsu. Allez, il faut la mettre cette écho. Il faut la mettre cette écho. Riyad encore. Un double kill dans ce round. Et on a gardé l'ulti bridge. On a gardé l'ulti bridge. C'est bien. Très allez. Bon round de Nabil au niveau de ce main B là. Il meurt pas un instant. Tranquille. Allez, les gars, j'aime bien. On se bat là. Oh. Il était pas. Tu veux travers, t'es sûr que tu veux travers? Mais quand tu travailles avec une vandale, on voit d'où viennent les balles. Ouais, non, mais c'est surtout, en fait, il voyait qu'il y avait un petit gars arrondi et il voyait sa tête. Non, mais aussi, quand tu tires dans une smoke avec une vandale, c'est beaucoup plus simple de traquer le mec qui tire. Comment t'appelles ça les balles? Les balles qui fusent, en fait. Ouais, simplement. Tu vois, tu vois d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Alors qu'à la fantôme, vu que c'est censé, c'est un peu silencieux, bizarre. En gros, tout arme silencieuse, ghost, spectre et fantôme, tu vois pas. Ouais. Les balles tracées en toi, voilà, c'est ça. On va laisser pour Nivera qui va récupérer son ulti sur ce round. Petite sauva, très très important. C'est une mono qu'il a. Ouais, ok, je crois que c'est un shorty. Il y a un ulti néon hein, qui est disponible aussi. Bientôt ulti Brimstone, bientôt ulti Sova. Il y a une belle rotation qui arrive côté Navi. Ok, on a détruit la caméra. Adil qui est marqué, ils ont l'info sur pas mal de joueurs. On veut quand même aller sur ce C. Hein. Il a un trap en C, un en B. Ce qui est chiant avec Cypher, c'est que tu peux pas faire comme Killjoy. Un mollo et tout, gagner du temps. Non, mais tu peux pas justement, attention. On l'a touché Angel. Nivera qui va prendre l'open kill avec son ult. Oh, dommage, il était pas loin d'en toucher deux autres. Ouais, ça va. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas aller chercher les traps comme une Killjoy. Attention, on peut pas nous tirer dessus de là-bas, même si on est tag par le trap. L'ulti bridge, il est très très bien. Est-ce qu'on peut push dessus? XM, est-ce qu'il va tomber? Attention, Adil qui va arriver. 3v2, avantage à nous. Et s'il est un opérateur pour la high-tech, ouais. Il va certainement prendre une vandale, mais vas-y. Bah, certainement écho, le frère, non? Non, je pense que ça va tenter, ça se tente. On est en place, non? Non, ça va le tenter. Après, là, son ult, c'est vrai, en tant que néon. En fait, il est parano du dos, il sait pas où il est. Zage, pardon, je cherchais le nom de la Kijan. Ouais, avec les changements de rôle, frère, ça change à chaque fois. J'ai dit, pour casse, c'est horrible, attention, ça a vu Adil. Adil sur le stun, et là il va save, je t'ai dit qu'il allait save, je te l'ai dit. Reprends ton opérateur et cours le sang. En vrai, ouais, je pense qu'on a l'info. Si tu veux pas te prendre une balle dans la tête, c'est bien court. Sinon, on sait qu'il adore l'opérateur, il avait l'argent pour. Voilà, c'est tout, il a l'opérateur. 33! Let's go, ils vont pouvoir acheter. Allez, ça serait bien d'instaurer un snowball là. Après, là, il y a des gros ultis qui arrivent. Il y a Sova, Brimstone, Néon qui est toujours là. Nous, en plus, ouais, nous, on a claqué les deux. Eux, ils vont être bien, on va pas pouvoir compter sur les ultis. C'est ça. Mais là, si on arrive à mettre ce round, les gars, c'est magnifique. Ouais. Parce qu'on va pouvoir justement restacker nos orbes. C'est là où je te dis, Nabil, il est vraiment chaud sur ce round. Ouais, ça se voit, il a l'habitude de le jouer quoi. Frère, il a. C'est un perso qui demande beaucoup d'heures quand même. Ouais. Et il joue bien. Mais même quand il avait pas beaucoup d'heures, ce bataille, il jouait bien avec. Ok. Ah, il était chaud avec son petit Sova et tout. Il y en a, ils ont le feeling, ils demandent, et lui, ça se voit, il a le feeling et tout.
Attention, à cet opérateur, on n'a pas l'information encore de l'opérateur. Hein. Allez. Univera, dommage, ça va pas toucher. Et là, on a l'info de l'opérateur. Le mur qui se fait rafaler de balles d'Odin, de balles d'opérateur. Voilà, ok, voilà, magnifique, voilà. ça abate cette ulti. Hein. Ah, ils sont bien joués, franchement, ils sont bien joués. Mais je sais pas, ils jouent à quoi en face. En vrai, tu commites sur les orbes à chaque fois. Mais bon, c'est. Non, mais là, t'as forcément caméra, une meilleure utilisation que ça. Y caméra, ouais. Vas-y, c'était appel téléphoné, frère. Putain, limite, vas-y, on se fait surprendre parce qu'on sait pas qu'il y a une caméra en A, au Galston dessus. Mais là, si t'as l'info de la caméra, s'il te plaît. Quoi. Attention, Sinéad au niveau de la scène. Il a pas vu, il va nous voir là maintenant. Il a raté sa balle, est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on va l'avoir, magnifique! À la Odin! Let's go, mon gars. Oh, je suis trop heureux qu'il rate sa balle, je suis trop heureux qu'il rate sa balle. On va envoyer pas mal de stuff quand même, la nade. Oula, attention, Adi, il a pas. Je sais même pas, il sert à quoi le train, frère? Il peut pas wallbang dessus. Bah ouais? On se le prend à chaque fois, mais bon, on peut pas, c'est du QBP, quoi. On peut pas punir. Attention, un Sten qui part, ou un Ulti Sova, ouais, sur la plante. Oh, il s'est barré. Ah, mais il va avoir Adil, dommage. Oh, miskin. Ouais. Voilà, Adil, il a rien demandé, mais du coup, Alex, il est loin. Il visait Alex, mais il a eu Adil. On a la paranoïa encore, hein, de disponible Zipan, qui va avancer, ça envoie une reveal sur le site, on est smoké. Les nanites qui sont claqués, les caches qui sont claqués de Cypher, beaucoup de stuff. Une flash qui part. Pour Chine. Et là, on va y aller à la Odin, on y verra, premier kill. Odin à travers la smoke, vas-y, re-smoke. Oh hein, ça veut diffuse. Ça veut diffuse, les frères, je ne crois pas. Ça va te brûler, salopard. Shao qui va prendre XMS quand même sur la fin et qui va aller save sa vandale. Ah, c'est trop cette dose de racisme quotidienne qui. Non, non, c'est trop. Ah, c'est. Les gars, c'est tellement bien. Quand c'est pas sur nous. Oh ouais. Quand tu te fais pas brûler par une Odin, mais que c'est en face, c'est incroyable, frère. Voilà. Non, le judge, la Odin et tout, quand tu le prends, t'as envie de brûler. Attends, mais Zé, j'ai mis deux têtes. Il y a encore là, du coup, le mec des mates qui est revenu, hein. Du coup, là, il a son ulti, là, il a fait doubler, j'ai pas vu. Ouais, il a fait doubler à la fin. Du coup, il récupère son ulti. Ulti Breach, Ulti Sova, ouais les deux, claqués. Ulti Brimstone aussi claqué. La rotation elle est loin des ultis. Elle est loin le frère. On va essayer de traverser le mur toujours, mais on voit personne, hein. C'est bon Adil qui va lui donner l'information. Là il lui a ouvert le passage avec ses balles. On va poser Adil là-bas, Nabil qui avance aussi avec lui. Et là attention, move agressive là avec son écho. Shao il est en one man army, ok repéré. Zesh il a une vraie visu. Ouais. Il a une visu, mais maintenant les gens ils s'y attendent un peu, donc attention à pas se faire préfire. On est sur la tourelle. Là, cette Odin elle met la pression aussi. Hein. Elle met la pression. Au niveau des traps, c'est où? C'est en C. Ah, je sais pas, il sert à quoi le trap, frère? Je sais pas. Je suis A, voilà. C'est peut-être une strat qu'on n'a pas encore, mais. Lui, Skid J. Ah, ouais, j'avoue. Ou bien la paranoïa. Mais comment tu punis là-bas? Bah, me pose pas la question. Y'a pas de nade, y'a rien, y'a pas du G-Brimstone. Attention. Ça tient VP, Adil qui va prendre la question scream. Hein. Adil qui va tomber. Là, je crois qu'il fait gagner énormément de temps et du coup. Qui part. Ok, l'ulti killjoy il est bien. Et là, ils sont obligés de respecter, mon gars. Tu respectes ouais, pas, ça va péter. T'es obligé de reculer. Voilà, bien loin le sang, envoie ton drone, c'est bien nous, va planter le frère. Et, bon, là. Et maintenant, on a la Odin qui est en place. Après, on a que 115 balles, malheureusement. C'est assez pour tuer 3 équipes des navires, attention. La tourelle, on sait que ça. Ouais, bien joué, Riyad. Ah non, 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 XMS. Oui, XMS. Attention à Stulti. Attention à Stulti. Ah, Stulti me fait peur. Un V2 Zesh, il va le baiser. Il va le baiser. Zesh. En bas, en bas. Ah, il a pas vu. Enfin, il était sur la reveal, ouais, pardon. Ils vont prendre ce round. Putain, on se fait écho, dommage. C'est dommage. C'est serré, 4-4. Dégoûté. Là, Stulti Néon, en fait, toi, il te fait rien, mais quand t'es un noob, l'ulti Néon, tu vois, c'est un peu plus fort, quoi. Moi, j'ai vu ulti Néon, j'ai vu ma vie défiler. Je jure que noob ou pas noob, l'ulti néon t'es terrifié. Ouais. Non, mais je jure que quand t'es un noob et que tu vois une néon qui ulti, qui court partout. Putain, je suis juste à chier de frère. Fais ce que t'as envie de faire avec moi, je vais cliquer au hasard.
Et Inch'Allah, ça va sur sa tête et bonne chance. Votre hype est terrifié. Les amis, elle est où votre aiguille de hype slash terrifié? Moi, elle est à gauche, là. Elle est à gauche. Moi, elle est vers hype, en vrai. Non, elle moi, elle est vers hype. Moi, elle est vers hype. Après, je viens de penser à Hassed, elle se recroqueville vers le milieu. Bon, hier, ça a pas porté ses fruits. J'ai dit, ouais, je suis sur un, je suis vers hype et tout. Hassed, je suis quand même hype. Ah ouais? Non, lui, il se fout de notre gueule, les gars. Voilà, il se fout de notre gueule. Hier, on se faisait brûler. 12-1 sur split, on a fait 4 échos d'affilée à chaque fois, on partait en écho et tout. Il dit, ah oh, moi je suis serein en vrai. Ah, je suis serein. Moi j'étais serein sur l'attaque. Malheureusement, j'ai pas vu le pistache. Bon les gars, je vous ai pas dit, j'ai toujours été qu'un ops à la casser en fait. C'est un ops. Il fait crari qu'il est pour nous, mais il est pas pour nous. Hassed, je suis terrifié. Hassed, les amis, moi je peux que être terrifié, je suis désolé. Je suis désolé. Je pourrais jamais être hype sur cette map. Attention, reveal. Reveal stun qui part. On voit qu'il n'y a pas trop d'activité. Et ils sont partis sur une Odin aussi. Hein. Bataille de Odin côté, du côté des Sova. Et ça va, cette bataille va continuer sur Hassed. Ah, gars. Ouais. En vrai, oui. Oui. Mais qui on va voir sur Sova, sur Hassed? C'est ça la question. Inch'Allah, on y verra. Après, on peut sauf si on a Fade. Ouais, y a Fade. Fade Riyad. Fade Riyad, je suis quand même. Oh, il va tout voir avec cette caméra. C'est cheaté d'avoir une caméra dans le jeu. Ouais. Hop là, c'est détruit. Ils ont vu deux. Après, la rota, elle est très loin. Ouais. Et la rota, ils voient rien, vu qu'ils voient rien, c'est avec le drone de Sova qu'ils ont envoyé là à l'instant. Plus bah, l'info qu'ils ont eu autour du A. Ça commence à rota là. Est-ce que exactement. Nous, on bombarderait pas en C comme des fous? Ouais. On bait avec la porte. Après, on a le Tiomen et tout. Du stuff, ouais, là on bait forcément, on veut se barrer. C'est soit split B, et ouais, je crois qu'on va finir un split B. En face, ils sont 3. Hein. On va finir un split B, mon pote. Est-ce qu'ils ont des ultis? Ils ont pas d'ultis, hein. J'aime pas trop. Sined, il me fait peur, moi. Ah, Sined. Sa position me fait peur. Après, ça va, pour l'instant, il n'y a rien de dangereux, mais. En fonction d'où il va aller, hop là, la nade pendant que tu points. Oula, le Sana Satchel. Ok, il va tout esquiver, c'est magnifique. J'allais dire bon, c'est Massachel, mais au final il a tout esquivé. Non, non, Massachel était excellente. Ouais. Il l'a pris dans un deuxième temps. Attention, Adil, là il est bien placé. Juste, mais... ouais, là c'est risqué comme positionnement. Parce que soit il peut vraiment faire la différence, soit il va se faire one tap dès le début. Attention, il y a Sined qui arrive. Après, c'est en double vision, hein, ça c'est incroyable. Allez, ça c'est un vrai totem, ça. Ouais, c'est un vrai burger. Frère. Attention, on y verra la Odin. Et vu que la smoke elle disparaît à hauteur. Allez, allez, Adil, non, sur la smoke. Sur la smoke, il va tomber. Eh oui, c'était un... Allez, ah, dommage, Angel, XMS qui va tomber, Zeige qui va tomber. Il reste que plus que Riyad. Et ça va être un round perdu. Non, putain. Ah, ils ont été pas sûrs, ils ont attendu la smoke. Ils ont tellement attendu. En vrai, s'ils auraient repris tant que la smoke était là, en fait, c'était incroyable. En fait, mais quand la smoke, elle tombe, c'est... Fallait lâcher, en vrai. Tu lâches ou tu fais un move. Ou sinon, tu forces vers Sined et Zibane. Tu forces quelque part, mais ouais. C'est pas que sur un duel. Là, ça va être dur stuff. On avait la paranoïa domaine, on avait la stun de Riyad, je crois bien. Mais là, ils ont bien attendu et tout. Et du coup, ils étaient bien. Ouais. Ils ont été bien patients, ils ont bien repris en face. Ils reprennent avantage, 5-4. Mais on peut acheter encore, les amis, niveau des ultis, ça donne quoi? On a bientôt celui de Libera, une orbe. Scream Machine, ça arrive incessamment sous peu. Et Zeich un peu loin. Et en face, il y a Bridge Brimstone qui arrive. Et Shao dans 3 orbes. Enfin, c'est dommage, parce que la position, vraiment, il faisait une erreur en face. C'était round fini. Moins 2 dans un side, tu rentres dedans et c'est terminé. C'est vrai que ça fait toujours peur ce genre de position parce que ça peut se retourner contre toi. On a récupéré l'orbe et l'ulti de Nivera. Allez, on va repartir sur du A. Là, il y a le Cypher Bunker avec ses deux traps, sa caméra. Il va tout voir, tout entendre. Est-ce qu'il y a un truc pour plus? Moi, j'ai un nerf de fou à mettre sur la caméra. Quoi? Après, je sais pas si ça mérite un nerf en fait. Cypher, c'est broken ou pas? Non. Ok, ça va. Plus sa mère. Oh, pas ah plus ouais sa mère, c'est sous-joué. Ok. Genre, tu peux le sortir, mais. En fait, dans une méta où t'as l'ulti kill joy, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et là, en plus, tu vas avoir Deadlock au ward. Deadlock. Deadlock, on m'a dit c'était nul à chier, moi. Ah, je sais pas, on va voir, hein. C'est peut-être parce que c'est encore le début, tu sais pas comment utiliser. Moi, je pense que c'est très très fort. Les sentinelles, c'est un peu technique à utiliser. Oula, attention. Oh là là, ce petit brimstone, il y a tout qui part. Adil qui tombe. On voit rien.
Il y a le trap, on le détruit. 27 secondes, va falloir avancer, là ils ont toute l'info. Ils sont 3 ici, hein. La smoke, allez, va falloir gagner ce duel là. Ok, le point, on garde la vision. On le dégage. Ah ouais, mais c'est lui qui nous dégage. Il verra qu'il va prendre le kill à la choc d'art. Et la one way, 15 secondes, et là ils sont 4 ici, et ouais, là c'est fini. Vous savez, il pourra pas finir ce round. Garde l'arme, pote, garde l'arme. Ouais. Faut qu'on soit plus assis. De toute façon, il pouvait pas la garder, ça allait, le... ouais, je pense que ça allait lui mettre un chassé à la fin. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas vu le début du round, il s'est passé. Il y a eu tellement de spells d'ulti. Ah, mais c'était repéré par le trap. Plus okay, l'ulti, ouais. Plus le stun. Ouais, bon, ça, c'est criminel qu'on perde moins 2 sur le Sova. En vrai, ça met fin au round direct en fait. Ouais. Normalement, après le point, tout le monde arme en main. Ouais, c'est ça, tout le monde arme en main, viseur fixe. Voilà. Il sort et on est 4v4. Et on lui baisse sa mère. Et on est 4v4. Et le round est jouable. Mais si on prend moins 2 là-bas, c'est terminé. La flèche qui se recentre. C'est map défense, de toute façon, le sang. C'est map défense, le sang. Non, c'est une map attaque, les amis. Ok. Vas-y, vas-y, go le buser sa mère un peu, lui aussi. Voilà, va, brûle. Voilà, magnifique. J'aime bien ce setup, dommage. Brille, on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir enchaîner. XM, est-ce qu'il va pouvoir récupérer la mandale? Allez, on avance. J'aime bien quand on est comme des ouf comme ça dès le début du round. Alors, on peut ralentir dans un second temps et repartir. Je pense qu'on va chill, on va juste chill, ouais voilà, on a l'arme. On va freeze là-bas, et il a déjà l'arme de toute façon. Oh, tire. Non, à l'arbot, en gros, j'ai l'arbot, carré. Et je sais pas si vous voulez reprendre l'info. Il veut travailler ou quoi? Angel qui va ouvrir la porte, attention, il est tag. Ouais, bang. Non, 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 3v3, attention. Ils en peuvent pas tirer. Non, non, là, ça, et là, les voix, elles reviennent. Là, là, la flèche, elle dégage, hein, terrifié, frère. Mais comment c'est possible? Comment ils peuvent nous viser sans qu'on les voit? Ah, on les regarde pas. Mais c'est ça que je veux dire, c'est la com, t'as de la... En fait, il y a l'effet là, nous t'entends pas tirer, je sais pas, de la com. Non, voilà, ça commence bien pourtant, c'est... Frère, c'est comme le dessin du cheval, là, quoi, il commence trop bien, oui, et après, oui, c'est oui, un dessin de CM2. Genre le round il commence trop bien, c'était parfait, on prend l'open sur Syned, on enchaîne sur un deuxième kill, 4v3, et après c'est du vomi après. On n'est pas carré, rien à dire. Now whether or not that gets corrected going forward, we're yet to see, but it's certainly proving to be a problem. 7-4 now. You can see the little setup waiting. Allez, 7-5 on prend, hein. 7-5 on prend, 8-4 je suis pas content. 7-5 la grand-mère, ma barre de hype elle est encore en vie. Oh, frère, ça part tout à droite là, ma barre. Hein. Ma barre elle est dans terrifié, frère. Okay. Ok, hype. Oui. Il a pas pris, il a pas pris l'ulti, mais quelqu'un d'autre l'a pris. Ok, il a raté, il a raté. Ok, moins 1. Moins 1 le sang. Le Chicky Joy. Il est Ricon, casse-toi, casse-toi. Ah! Allez, cette fois, on se place bien. Syned qui va venir par la petite porte. Cette fois, on se place bien. Il est dans la merde. Il est dans la merde. Faut gagner du temps, c'est fait. Angel. Duel très important à venir. Allez, 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 il le sait pas. Il le sait pas. Oui, Adil, magnifique Adil. XMS qui va tomber. De toute façon, il était dans la merde, XMS. Hein. On va envoyer une nade sur la spike. Attention, oui Zeich, très bon kill, Zeich, y'en a un deuxième qui arrive, gagne du temps, c'est bien, c'est bien Zeich, c'est bien Zeich, c'est bien Zeich. Let's go frère, c'est bien. Voilà, magique. Allez, 7-5, magnifique, magnifique Ahmed. Et il a fait le travail là, il a fait le travail dans ce round. Ouais, il savait qu'il avait juste du temps à gagner, il avait juste du temps à gagner, il est forcé à eux justement, c'est mispose, mais Adil hein. Ce kill, ce kill à la roquette derrière l'enchaîne. En plus, on n'a pas d'ulti Sova, du coup, pour l'arrêter, c'est bizarre tout ça. Ouais, elle envoie le dernier kill d'Adil. Triple kill. Allez, 7-5. Et il y a toute la terre pense que c'est une map super attaque. Mais Fati, ici présent. Et Fati, je peux que le croire finalement. Je sais pas pourquoi on a eu ce débat toute notre vie. Je sais pas pourquoi. J'étais tout le temps en train de dire que c'est une map attaque, gros. Tout le monde dit que c'est une map attaque. Mais Fati, je saurais pas citer quelqu'un qui a vu plus de Valorant que lui, frère. Il bouffe du Valorant tous les jours. Il joue à Valorant tous les jours. Il en peut plus. Donc je peux que le croire. C'est une putain de map défense. C'est une map défense, frère. C'est une map défense depuis le début. Depuis le début, c'est une map défense.
after 30 seconds on the B side. What as you can see here. Moi, je suis avec lui. Citez-moi quelqu'un qui a regardé plus de games et joué plus à Valorant Fatigue cumulé. Cette année. I'm going to show you first 40 seconds of the map. When it comes to as you can see here, there are really not any kind of before they go into the plant to see. And I hope that's something that is we clearly can see in the game plan and the previous Lotus was failing at, hope to be repaired. Ça, par contre, faut arrêter ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui comprend les dessins avec les traits? Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui regarde, frère? On dirait un scribolio, le bordel, frère. À la rigueur, ils devraient mettre des clips de rounds et expliquer des trucs, mais des fois ils le font ça, mais... Le truc quoi, il y a un milliard de traits, là ça va, il n'y en avait pas énormément. C'est le déplacement des joueurs, ouais je sais, mais... En mode on est au foot, c'est la hitmap. Faut faire, bah je te jure qu'une hitmap ça serait bien. Non, on en a déjà vu, je te jure que non. Ah ouais? Ah ouais, non. Donc tu fais une hitmap vraiment simple d'une équipe, les zones comment la jouer, ouais, tu fais les zones où les gens ils sont morts, les zones où ils sont qui. Non, tu sais, juste où ils se baladaient, okay, etc. Ouais. Ouais, comme ça tu vois le contrôle un peu. Bah tu peux. Hein. En tout cas, ça serait mieux que des dessins à la main comme ça. Mais c'est pas parce qu'on ne consomme pas que il n'y en a pas d'autres qui consomment. La hitmap aussi. Mais rien, y a rien. On a eu de la chance sur les tech pauses récemment. C'est des tech pauses de 1 minute, 2 minutes. Wow. Allez, faut battre Navi, les gars. Faut battre Navi. Merci Zibubak à agiter les drapeaux plutôt. Y'a rien les gars, y'a rien. C'est juste de toute façon. On va devoir gagner avec cette frustration, on n'a pas le choix. Parce qu'ils sont trop détendus en face, ils battent les couilles. C'est Zeige qui a un problème. J'ai l'impression. 7-5, c'est large jouable. Ah oui, non, c'est large jouable, mais elle fait peur cette map parce qu'on doit la gagner celle-là. Celle d'après, c'est Ascent. Ouais. Après, s'il y a un jour. Les stats, frère. On a perdu 500 fois sur Ascent. Il y a bien un jour, on va gagner sur Ascent. Oui, mais surtout que c'est de la chance Ascent au final. Mais oui. Là où c'est, elle est full stack pour Ascent. Ouais. Si on doit gagner une Ascent dans l'année, c'est. Ah oui, notre Ascent sur Ascent, elle est waouh. Si on compte en plus les matchs des GC et tout, après ça va sur Ascent, elles ont pas mal gagné. Mais ouais, on est souvent déçus sur Ascent. Mais il faut celle-ci. Ascent, ce sera pour le 2-0. Changement de side. Oh non, on va avoir la tête sur ce qui se passe sur la map. Allez, faut le pistolet déjà. Oh non, pas des retakes, frère. J'aime pas faire des retakes, moi. On a le drone de disponible. Ok, on verra qu'il y a vu. Il y a eu du monde. Il y a 3 balles d'un coup. Il a juste à regarder le mur pour savoir combien ils étaient. On va avancer. Nivera, tu veux peut-être prendre un kill avant, ok. Ouais, ça lui a bombardé dessus, c'est Néon, hein. C'est la force de Néon. L'afterport, elle me fait très peur, hein. Ils sont très bien, ce salopard. Ouais. Angel, il a pas de mollo, ça... Ouais. Je veux dire, ça va jouer que au kill. Ils ont pas des trucs pour delay de... Ok, c'est tax, hein. Y'a pas une nade, un truc qui part. Un point. Ok, paranoïa, j'aime bien ce que je vois. Ouais, let's go scrim. Okay. Oula, ça pue. Oula, attention. Ah. Ok, Zeish. Zeish, 1v3. Ah, mais il a attendu derrière la cage. Oh. Je crois que ça a été un carnage au niveau de ce stars. Ah ouais, mais j'aimais bien ce que je voyais, moi, avec la paranoïa et tout. Je suis plus confiant sur retake, les amis, c'est le mot retake. Mais... D'ailleurs, ils nous ont mis les coups. Ouah, 3 vandales, ils veulent nous éteindre. 3 vandales, ils veulent nous brûler, Fatih. Moi, je vois 4 snipers à droite, c'est bon. À droite. Ah oui, bah ouais, bah, là, il y en a 3 finalement. Il y en a 3, pardon. Coûte cher le stuff de savoir. Il a pris un drone du coup. Ouais. Mec, il y a que des petits shields du coup.
C'est 3 balles, 3 mandales en moins. Oh, mais. On va prendre ce point là-bas. Après, il est connu ce point, mais bon. Dio pistol, est-ce que. Je vais se faire rattraper, Zé, je crois, non. Je sais pas si on va aller farmer l'orbe dans ce. Le problème, c'est qu'il est au classique, il peut pas faire une dinguerie, tu vois. En prendre un ou deux. Ah, il y a les copains qui sont nuls, quoi. Et s'il en prend un, c'est carré. Dedicated towards that seaside, and you can see the patience and discipline being. Oh, y a personne en A, frère. Y a pas un chat qui rôde. Là, s'ils avancent A et qu'ils plantent en A, on est brûlé, on est foutu. Venez en C, les amis. On est en full stack A. C'est ça le plan. On est en full bunker A. Venez, venez, les frères. En C, c'est magnifique. En C, y a son père. Regarde, y a personne le sang. Y a personne le sang. Ok, tu prends ton kill, c'est free, hein. Wesh, wesh, les gars. Je suis dégoûté, frère, c'était stratégiquement parfait. Comme ça, putain. C'est Nico, y'a rien. Tu dis pas y'a rien, il vient de nous 1v5 au Ghost, wesh. Nothing, it's not fully defended, vas-y. Il vient de nous 1v5 au Ghost, frère. Mais dis pas y'a rien, moi il m'a fait mal. Je sais qu'il y a rien. Mathématiquement dans la map, mais voilà qui a, frère, ils ont 3 vandales. Le bonus, on va bien s'amuser le point. Ah, le bonus. Ok. Voilà. Une vandale en moins, c'est déjà ça. Nous avons 4 au ghost, les gars. On est en stun. Après. Et nous avons 4 au ghost. Comment c'est. Non, je vais le regarder le replay parce que j'aimerais bien savoir comment c'est possible. Là, Zay, je suis à rien. C'était 1v1. Si, il a mis une virgule à Alex. Ouais. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Je... Alex, il a mangé une virgule dans les airs. Allez, les gars, c'est pas grave. Si on met ce round, il y a vraiment rien. Pour le coup, parce que ça c'est le bonus. Mais si on le perd, c'est pas un petit bonus hein, en face. Hein. 4 vandales. La nade qui va partir. Allez, Adil. Mais Harry. Magnifique. Harry Angel. Il est low HP maintenant, Adil, mais c'est pas grave. Le kill a été fait. Il verra qu'il va mettre des coups d'épaule. Il a eu l'info, il a pris une petite balle. Il va pouvoir envoyer son drone, il va tout voir. C'est tag, il n'y a pas un ulti là, il n'y a pas d'ulti. Ça va lui ouvrir la porte. On va jouer safe, on va se remplacer BP. Ah ouais, je veux pas de retake là, je veux qu'on les baisse quand ils viennent, frère. Juste attention, ça, voilà. Adil, il sait que ça peut être stairs. On a deux, on fait le move. Il me reste bunker, je crois, au niveau de ce tree. Ouais, ça se barre. Par contre. Ils ont déposé personne sur la map, ça, si, ils ont pas. Si, frérot, le sang va. Oui, non, mais je veux dire, là, ils partent pas sur quelqu'un qu'ils ont déposé. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des grandes chances que lui, là. Ouais, il va nous baiser notre vie. Il va nous. Bien plus que ça, mais vas-y. Il va nous baiser notre vie, frère. Il va nous baiser notre vie, frère. En plus, c'est le Sova, ça veut dire que ça va avoir le Cypher. Voilà, Cypher est là. Ah. Damn. Allez, Libera. Attends, il en a eu qu'un. Il en avait eu qu'un. Ça allait. On a gagné du temps. XMS, attention, les tags XMS avec le trap, ouais, mais non. Allez, Zeich, moins un. Et là, on doit faire quoi quand il y a un mec déposé comme ça? On doit tout reclear, non? Voilà, en vrai, le problème, c'est que c'est trop dur, ouais. Ici, check. Tu penses jamais, quoi. En fait, la reveal et tout montre qu'on n'est pas naïf qu'il y a eu un dépôt. Mais le problème, c'est qu'on se dit pas qu'il est resté stairs pendant 10 ans ici sans bouger. En vrai, sur le papier, c'est facile de dire bah pas les naïfs, mais je te jure qu'en réalité, ici, cette position, elle est dure à check. Et là, on se fait snowball. Je dis jamais que c'est une map défense. Là, on se fait snowball, time out. Il était nécessaire celui-là.
Bon, je sais pas ce qu'on doit trouver, mais frère, je sais pas comment on peut changer de visage totalement entre l'attaque et la défense à chaque map. Et c'est pas comme si c'était tout le temps la défense où on était fort ou tout le temps l'attaque où on était fort. Il y a des maps où on est trop fort en défense et après en attaque c'est plus une fiesta. Ouais. Et ça change à chaque map. Genre on commence bien, bon on troll quelques rounds parce qu'on est obligé de troll quelques rounds. Il y a des bons trucs, on voit des bons trucs. Et après, deuxième side, t'as l'impression que c'est une autre équipe sur le terrain. Allez les gars, c'est pas fini. 10-5. Là, le Sova, le round d'avant, il a tué le round. Il a tué le round. Sois plus malin. J'ai l'impression qu'on a rarement des moves un peu malins de coupe, de trucs comme ça. C'est rare de fou. Attention, là, on va jouer là. J'aime bien cette nade. Il l'a pas entendu, hein. Ah, mais il l'a vu. Ok, un pour un, ça va. La bagarre, Adil, oui, Adil. Il a le droit. On va les faire reculer. On les fait reculer, on va aller chercher l'arme. On compte tellement sur ça. Après, pour l'instant, on n'a pas le choix, de toute façon. On est obligé de compter sur ça. On est obligé de compter sur des headshots. Sur des grosses prises de bataille. Mais faut qu'on arrive à les provoquer tout le temps et qu'on les gagne tout le temps. Deux Guardian, deux Vandal, 4v3. On a Zeish placé au niveau du C. Allez, elle arrive, Veil. Arrêtez des trucs, on sait qu'il y a quelqu'un ici. Ça va reculer. Adil, Nivera qui vont réavancer. Allez, Nivera. Attention, attention, ça va venir. Oh! Magnifique, il était low, Zipan. Ok, beauty. Wesh, il est pas mort! Opportunity and makes it his own. Spike is on the way. That's a plan coming through. Zashbury kicking himself in. Now they know how far away he is. They can get comfy in the post plant, make him work for his dinner. Look how deep Xiao's positioning is as well towards spawn. Still got so much kit to play with. He's got everything. Yeah. Oh man. This has been a perfect chance for Na'Vi. Carve in 11. Le monde est contre nous, frère. Le monde est méchant. Même les rounds. Oh. Ahmed, je t'en supplie, Ahmed. Frère. Je te le mets, t'es plus grand clutcher qu'on a. Allez, Ahmed, va le chercher. Oui, Ahmed! Oui, Ahmed, merci! Merci, Ahmed! Et insulte toute ton équipe, mon frère. Non, là. Ça, c'est un round. Là, les amis, ça, c'est un round qui peut changer. Il peut changer la game. Il peut changer la game ce round. Mais la vie de ma mère, on n'a pas le droit, frère. On dirait c'est scripté, frère. Avec Samus, il avait pas vu, il était reveal, du coup il est obligé de drop. Mais frère, ça commence bien, regarde, on est bien là. Ah, l'ulti, il le touche pas, frère. Il saute et il passe en dessous, l'ulti. C'est trop, quoi. Non, c'est trop, voilà, c'est trop. C'est trop, frère. Donnez-nous un round où la vie de ma mère, on est heureux. Eh ben, ça va pas être celui-là. Ça va pas être celui-là. On a le DK. Oui, ça va peut-être être celui-là. On verra. Ok, dommage. Dommage. On peut enchaîner sur le deuxième. Je sais qu'il était nécessaire, ce deuxième kill. Ok, il recule. Et là, regarde ce qui est toujours. Ouais. On n'a pas de tourelle. On a une garde que l'arme bot. J'ai peur que Shin se prenne un one tap là. Angel qui va back. On peut pas l'avoir là si sur sa sortie. Et il va smoke. Voilà. Ouais, c'est carré, hein. Ouais, Sugetsu, il est parti. Il y a pas de trap. Zeish, il a un move. Il est bien, plus que bien, même. Ouais, Zeish, il peut arriver dans le dos d'Angel. Là, ouais, il va y avoir... Il est attendu. Okay. Il est attendu. Oui, Ahmed. Mais attends, mais il lui a baisé sa main. Il a brûlé, frère. Alors, Ahmed. Non, là, il s'enflamme. Il a mis le clutch, plus ça, il s'enflamme. Il a raison. Pas grave, de toute façon. Il doit gagner du temps, en vrai, mais... Là, tu repars avec tes potes. T'en parles avec tes potes. Je pense qu'il est trop dans le délire de, en mode là il est trop chaud. Ah, il est dans la zone, il doit profiter. Ouais, c'est ça, il est dans la zone et. C'est dur de. Il doit en profiter, mais frère, c'est chaud.
A towards rubble and able to isolate Scream. But another round where Carmine Gore kind of commits to this opening engagement. Where Cena's able to actually get ahead of the timings quite easily there. Allez les gars. Allez les gars, s'il vous plaît. Faut rentrer dedans. Comment on perd? Ouais, c'est la folie. Ah, c'est dommage hein, parce que s'il enchaîne sur le deuxième kill sur Zipan, le round il est à nous direct. Allez les gars, on 6, claque le deuxième timeout. Oh, j'ai les ultis à gauche. Les ultis à gauche sont terribles. Pense à tous ceux qui vont rester sur un BP là. On a deux ultis aussi, mais. Après, l'ulti labile il peut être clutch là. Pendant l'exécution. Ouais, parce que ça a tendance à mettre ses ultis, tu cours. Sauf que si c'est pas sur le BP où il y a l'ulti Sova, il peut ulti de loin et avoir des bons angles et déchirer tous ceux qui rushent sur le BP. Ouais, ouais. Et en plus, là, il met des bonnes ultis Nivera là depuis hier. Là, cette game elle me terrifie. Hein. Ouais. Parce que là, ils ont full ulti, il leur faut que deux rounds. Allez, il nous faut quelque chose là, il faut qu'on enchaîne les rounds. Il faut qu'on mette les rounds là où eux vont claquer les ultis. Je sais pas par quel moyen, mais on doit revenir tout de suite là. Moi je te dis là, je parie sur le fait que Nabil il peut faire du sale avec son ulti. Faut juste avoir de la chance sur là où ils vont aller et là où Nabil sera situé à ce moment-là. Allez les gars, on 6. On a pas d'argent en plus, j'avoue. J'ai pas vu. Mais que au shorty, Adil. Snowball round, close on by, and it's up against. A shorty, a sheriff, and three rifles. Est-ce qu'il bombarde sur un site? Ça me va, mais. En fait, vraiment, le round idéal. Oui. Le round idéal, c'est qu'ils claquent leurs ultis et après Nabil met. Ouais, ouais, quand ils plantent. Ou même sans qu'ils plantent, genre en mode. Pendant l'exec. Il a pris parce que là, ses ultis, c'est bien, il va pouvoir kill. Ouais. Il va pas pouvoir, c'est s'il aide. On espère mettre des grosses patates, Alex. C'est néon. C'est néon compliqué. Frère, eux, ils ont même pas besoin de claquer notre stuff Killjoy. C'est ça qui me rend fou. Ils sont jamais allés chercher le bot de toute la map. Ouais. SMS, ça a tout claqué. Ça rentre normal. Il peut pas défendre ça. On a un ulti Killjoy. Hein. Après, j'ai un petit brim, hein. C'est comme si on n'avait pas d'ulti. Franchement, j'ai même envie de te dire, il le claque même pas, il déchire même pas l'ulti Killjoy. Ou c'est un ulti Killjoy et ça insta retake. Et là, tu retake insta. Ah, mais ils ont insta ulti Zoic, frère. Insta ulti Brimstone. Ah, ça fait moins de. Tu pèteras, frère. Dans un get-get, c'est là, Nivray, il en perd un, mais ce sera tout, quoi. Ouais, ils ont au moins ils ont claqué les ults, ils ont encore ulti Sova, mais ouais. C'était le round compliqué. Hein. Ouais. C'est le round compliqué. Comme ça, dans les rounds finaux, ça te dérange pas de perdre des rounds comme ça quand ils claquent tout, mais le problème c'est les rounds d'avant, frère. C'est les rounds d'avant. Les rounds où on est en full avantage, c'est ça qui nous. C'est ça qui nous dérange. Allez les gars, il faut trouver de la force là, il faut trouver de l'énergie. Il faut trouver quelque chose, je sais pas quoi. Bon, on, je sais pas si on peut racheter, je crois qu'on a un peu d'argent mais pas de la ouais, dinguerie non plus. Adil, il avait gardé, il avait juste un sorti. Ouais, il avait juste un sorti, il a dépensé 700. Racheter, hein. Genre, c'est un petit bail quand même. Ouais, ouais. Il y a juste une Guardian Mobile, une Sheriff avec ça. Ah non, il y a quand même Bulldog, ouais, c'est du coup. C'est juste, ouais. Adil à la Vandal, c'est tout. Les gars, il va soit falloir faire un comeback miraculeux tout de suite maintenant sur Lotus, qui est notre pick, soit gagner Ascent, qu'on n'a jamais gagné cette année. Ouais. Ah, c'est dommage, j'en peux plus, frère, tout le temps, ça commence bien tout le temps. Il se passe quelque chose et après, deuxième partie de la map, c'est... Ok, il verra. On a le petit bridge, hein. C'est pas fini ce round, hein. C'est pas fini. Regarde lui, là, le seul. Ouais, il est loin. C'est pas, on sait jamais, il choke. Inch'Allah. Inch'Allah, on diffuse. Ah, il y a le petit sauvage, on le bait. Ok, il verra. Voilà. Barbé.
Ça va se jouer sur Ascent. Cette saison va se jouer sur Ascent. 1-0. Ah, c'est dommage, frère. Notre défense sur Lotus, vraiment. Par rapport à l'attaque, encore l'attaque, on l'a perdu hein, parce qu'il y a eu 7-5. Mais vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, frère. Ah, je te jure, on est dans un spot, c'est... En fait, soit on arrive à... Je sais pas, frère. Ah, c'est compliqué de jouer en équipe, c'est vraiment... En vrai, faut vraiment pas avoir peur de faire des dingueries, hein. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Moi, ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est qu'on a jamais de mecs qui font des coupes. Quand on dépose un mec, c'est rare de fou. On le dépose jamais aussi loin que le Sova. Sur des petits trucs malins, tu vois. Après, qui vont te faire gagner des rounds sans individualité, juste avec des petits trucs malins. Comment ils l'ont joué, le dépose Sova? Je te jure, elle était trop bien.